Salut tout le monde, c'est Ghost of Fall. J'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ça va être mes projets pour 2024. C'est parti! À savoir que sur cette vidéo, je vais vous parler uniquement de Twitch et de YouTube, de ce que je compte faire sur ces deux plateformes-là. Donc pour Twitch, vous allez avoir les informations concernant mes plannings de stream de cette année, et sur YouTube, vous aurez les informations concernant mes plannings de publication de vidéos de cette année. À savoir que j'ai plein d'autres idées qui sont concernant Twitch, YouTube, même voir d'autres plateformes que je vais garder pour moi, que je vais pas énoncer dans cette vidéo, afin de pas trop m'avancer. Parce que sur ma vidéo, mes projets 2023, je me suis avancé sur beaucoup beaucoup de choses que finalement n'ont pas eu lieu. Donc cette année, je vais garder beaucoup de choses pour moi. Ce sera des bonnes surprises pour vous comme ça quand ça sortira. Mais là, je vais vous parler vraiment que des choses les plus importantes, les choses de base pour clarifier cette nouvelle année 2024. Parlons tout d'abord de Twitch. A savoir que mon planning de live pour cette année sera un planning fixe où à chaque fois vous aurez l'habitude de retrouver certains jeux tel jour afin que ça fasse un petit système de rendez-vous. C'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place sur ma chaîne Twitch. Et aussi de ce fait, mes jours offline seront à chaque fois les mêmes. Je détaille tout ça. Donc tout d'abord, lundi sera une journée offline. Ensuite, pour le mardi, ce sera le premier stream de la semaine qui se déroulera de 21h à 23h. Et ce sera sur un jeu qui sera choisi par vous, la communauté. Donc de ce fait, tous les jeudis sur Twitter, il y aura un sondage entre 4 jeux. Et vous pourrez voter sur le jeu que vous voulez voir en stream le mardi d'après. Donc je compte sur vous d'ailleurs pour claquer le petit follow sur Twitter afin de pouvoir participer à ces petits sondages et du coup participer à la chaîne Twitch en choisissant le jeu que vous voulez voir le mardi soir. Ensuite, pour le mercredi soir, ce sera soirée jeu libre qui se déroulera de 21h à 23h. Donc ces soirs-là, je pourrai choisir les jeux auxquels j'ai envie de jouer. Tout d'abord, pour commencer cette année 2024, on commencera sur un jeu qui s'appelle A Way Out. C'est un jeu en coop qu'on fera en collaboration avec Nonol Live, que vous avez déjà vu en stream avec moi sur le jeu Dead by Deadlight. D'ailleurs, sa chaîne Twitch sera en description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller checker et à claquer le petit follow, ça lui fera énormément plaisir. Donc du coup, on commencera par ça pour la soirée du mercredi soir. Donc on commencera de Let's Play avec Nonol le 10, on continuera le 17, voire le 24, tout dépend de la durée de celui-ci. Après les mercredis soirs, comme porte le nom, c'est jeux libres, c'est jeux que je choisis. Donc très certainement, une fois que j'aurai fini ce petit let's play là, vous retrouverez forcément du Fortnite, du Call of Duty Modern Warfare 3, du Dead by Deadlight. C'est des jeux que je chéris beaucoup. Donc je profiterai très certainement de la soirée du mercredi soir pour pouvoir caler des petits streams dessus de temps en temps. Après, on n'est pas à l'abri aussi de voir les mercredis soirs des petits jeux comme Sea of Thieves, Paladin ou autres. Également sur cette soirée du mercredi soir, à l'avenir j'aimerais bien proposer des petits streams sur deux jeux mais qui ne sont pas encore sortis, qui n'ont pas encore de date de sortie, c'est X Defiant et Blue Protocol. À savoir que dès que des dates de sortie se feront savoir, c'est très fort possible que je stream sur ces deux jeux là parce que c'est des jeux que j'attends avec impatience. La soirée du jeudi, ça va être une soirée qui m'aille tout particulièrement les amis, car on se retrouvera pour des soirées let's play. On se donnera donc rendez-vous tous les jeudis de 20h à 23h afin de réaliser plusieurs let's play durant cette année 2024. Donc à savoir qu'on se fera des jeux qui vont sortir courant cette année. Et on se fera également quelques jeux qui sont déjà sortis il y a quelques mois, voire quelques années. Donc là je vais vous citer déjà quelques idées de jeux que j'ai en tête. Ça va pas forcément être dans leur ordre de parution sur Twitch, mais ça va être vraiment comme ça, les noms des jeux en vrac sur ce qui est prévu pour cette année 2024. Pour les jeux qui sont déjà sortis il y a quelques mois, voire quelques années, j'en ai 4 en tête pour cette année 2024. Tout d'abord, c'est Zelda TOTK. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, Ghost of War, t'as déjà commencé le let's play, etc., que ce soit sur YouTube ou Twitch il y a quelques mois, mais tu l'as arrêté. Justement, on va profiter de cette année 2024 pour le reprendre. Pour ceux qui n'ont pas vu le début du let's play, du coup, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien juste au-dessus de la première vidéo du let's play Zelda TOTK. Comme ça, ceux qui n'ont pas vu, vous pourrez vous mettre à jour avant que je commence la suite du let's play cette année sur Twitch. Mais je me suis dit, pourquoi pas reprendre ça. Le jeu est vraiment bon, donc autant le terminer quand même. Ça va de soi, ça va de soi. Ensuite, je prévois de faire Assassin's Creed Valhalla. Je prévois de faire Ninja Gaiden 3. A savoir que j'ai déjà fait Ninja Gaiden 2 sur la chaîne YouTube en let's play. Pareil, si vous n'avez pas vu le let's play et que vous voulez savoir un petit peu ça ressemble à quoi comme type de jeu, je vous mettrai le lien
de la première vidéo du Let's Play juste au-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Mais nous, de notre côté, on sera le 3 cette année. Et pour finir, on sera du Rise of Tomb Raider. Alors il me semble que c'est un spin-off de la série ou un spin-off d'un jeu Tomb Raider. Si je me trompe pas, j'espère que je dis pas de bêtises. Et moi, de mon côté, j'ai jamais joué au jeu de la licence. Donc je me suis dit que ça peut être une bonne découverte. Et du coup, bah, ça me hype pas mal. Pour les jeux qui sortent courant année 2024, j'en ai déjà 3 en tête. Tout d'abord, j'ai Tekken 8 qui sort fin janvier. A savoir que j'avais beaucoup kiffé jouer à Tekken 6 durant mon enfance. Et là, j'avais pu tester du coup Tekken 8 à la PGW 2023. Pareil, c'était un gros kiff. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire le mode solo aventure ensemble en let's play cette année. On sera également Skull and Bones, qui a été créé par Ubisoft, qui sortira le 26 février. Jeu sur le monde de la piraterie, je kiffe beaucoup ça, donc il me tarde également de vous proposer ce jeu-là. Et pour terminer, on se fera Banisher Ghost, un petit jeu indépendant, solo, un petit jeu d'aventure. Il me hype aussi tout particulièrement, c'est pas les jeux auxquels je joue d'habitude. Donc je sors de ma zone de confort, mais je pense que je vais pas être déçu. Autre jeu, mais qui malheureusement n'a pas de date de sortie, c'est Jurassic Park Survival. Quand j'ai vu le trailer, les gars, le jeu m'a fait kiffer de fou. En tout cas, le trailer plutôt m'a fait kiffer de fou. J'aime bien la licence Jurassic Park. Je dirais pas que je suis le plus grand fan du monde, mais j'aime bien quand même la licence. Et là, avoir un jeu Jurassic Park Survival, ça me hype de fou, de fou, de fou, de fou. Donc il me tarde vraiment qu'il y ait une date de sortie. Dès que ce sera le cas, bah vous inquiétez pas, on se fera un petit let's play également sur ce jeu là. Je pense que ça va être vraiment très très cool. Et pour terminer la semaine de live, le vendredi et le samedi soir, on se retrouvera à chaque fois pour du Overwatch, et ça de 21h à 23h. Donc deux soirs Overwatch par semaine durant cette année 2024. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps, vous le savez, Overwatch est mon jeu coup de cœur. Donc j'ai envie de consacrer plus de temps à celui-ci. Et pourquoi pas, sur le côté Ranked, hein, essayer de retitiller le classement du top 500. Ça serait l'objectif de cette année 2024. Donc soit en tank, soit en healer, je pense. Je pense pas en DPS, mais on va essayer de rattraper ça. J'espère que vous êtes hype et que vous suivrez ces streams également. Et le dimanche, pour finir la semaine, on sera offline. A savoir, comme je vous ai dit, bah, ce planning sera fixe pour cette année 2024, mais il peut avoir quand même des petits cas exceptionnels, des petits imprévus dans ma vie perso, des petits impératifs. Donc de ce fait, c'est possible qu'il y ait des petits décalages de stream de temps en temps. Admettons, le vendredi soir, je stream pas, mais du coup, le stream est décalé au dimanche soir. Des choses comme ça. Bien évidemment, je vous préviendrai en avance à chaque fois sur les réseaux. Mais dites-vous que quand même, pour cette année 2024, ce sera planning fixe. Autre cas exceptionnel qui peut décaler un petit peu les plannings de stream fixe, c'est que j'ai prévu de faire 3 séries de stream pour cette année 2024. 2 séries que vous avez déjà vues en 2023 et une série qui sera inédite. Sur les 2 que vous avez déjà vues, il va y avoir une petite série de stream sur tous les Call of Duty. Donc on se fera du plus ancien au plus récent. Et la deuxième série de stream que vous avez déjà vue, bah, c'est le mois stream multiplateforme. Donc pour rappel, on se fera une semaine sur Xbox, une semaine sur Switch, une semaine sur PC et une semaine sur mobile. Ces deux séries de stream qui ont plutôt bien plu en 2023, que j'ai bien aimé faire également, donc je me suis dit pourquoi pas les renouveler en 2024. Et pour la série de stream inédite pour cette année 2024, ce sera sur le jeu Dead by Daylight. On se fera une série qui s'appellera Mori Party. Je m'explique, du coup on jouera Killer sur DBD. Et l'objectif du coup de cette petite série de stream, c'est qu'avec chaque killer, on devra mettre l'offrande rouge du crâne qui permet de mourir les 4 survivants dans la même game. L'objectif, ce sera d'arriver à mourir les 4 survivants avec chaque tueur du jeu. Je me dis ça peut être grave cool à faire, comme ça, ça varie les gameplay tueurs. Il y a des tueurs que je sais mieux gérer que d'autres, donc il y en a que je vais me galérer d'autres, donc ça va être plutôt easy. Donc franchement, ça peut faire une bonne série de stream. Je suis plutôt hype à l'idée de la faire, donc j'espère que vous répondrez présent et j'espère que ça vous fera kiffer également. Maintenant, on va passer à l'univers YouTube. Côté YouTube, à savoir petite nouveauté qui a déjà été mise en place depuis fin d'année 2023 mais qui va continuer sur cette année 2024, c'est qu'on sera en live également sur YouTube. Oui, à partir de maintenant, je fais du multi-stream, donc la diffusion source se passe quand même sur Twitch, mais du coup, c'est en simultané maintenant avec YouTube. Donc pour les personnes qui me suivent du coup sur la chaîne YouTube et qui veulent participer au live mais qui malheureusement n'ont pas Twitch, soit pour des raisons personnelles ou autres, mais qui veulent bah, quand même regarder les streams, vous pourrez le faire du coup via YouTube. À chaque fois, je serai en multi-stream également sur cette plateforme. Également sur YouTube, notamment dans l'onglet communauté, vous aurez le retour des petits sondages, comme j'avais eu l'habitude de faire pour l'année 2023. Donc là, je vais reprendre pour cette année. Donc c'est des petits sondages slash tournois hein, sur des sujets divers et variés, manga, animé, jeux vidéo. Donc ça sortira tous les deux jours à 19h
et à chaque fois que les sondages slash tournois seront terminés, je vous ferai une petite vidéo récap de celui-ci, donc soit vidéo format classique, soit vidéo format short, pour faire le résumé de tout ça. Mais pareil, il me tarde de reprendre ça. Concernant les vidéos classiques, à l'heure actuelle, pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous savez très bien, il y a deux vidéos qui sortent par semaine, une le mercredi et une le dimanche, et à chaque fois à 19h. À savoir que pour cette année 2024, on va réduire la fréquence des vidéos à une vidéo par semaine, qui sortiront du coup le dimanche à 19h. Je fais le choix de réduire la fréquence des vidéos, les amis, c'est parce que, par manque de temps. J'aimerais consacrer plus de temps peut-être au montage vidéo, afin de proposer des vidéos un peu plus de qualité. Même si je suis loin d'être un pro dans le domaine du montage, mais en ayant plus de temps, j'aurai sans doute plus l'occasion de pouvoir produire des choses plus sympas. Donc c'est pour ça que je fais le choix de réduire la fréquence des vidéos à une vidéo par semaine, qui, je le rappelle, sera le dimanche à 19h. Attention, concernant ça, on n'est quand même pas à l'abri à ce qu'il y ait des vidéos qui pop durant les autres jours de la semaine. Il y aura peut-être des moments dans l'année où il y aura 2 voire 3 vidéos par semaine, notamment si je fais des let's play, des choses comme ça. Mais dites-vous que de base, le format sera une vidéo par semaine, et s'il y a du plus durant les semaines, ce sera que du bonus, ce sera que des petites surprises en plus. Et pour le dernier type de format que je vais vous proposer pour cette année 2024, ce sera les types de vidéos courtes, c'est-à-dire les shorts sur YouTube et les TikTok. Donc je vais reprendre ce format avec une vidéo par semaine qui sortira sur les shorts de YouTube et sur TikTok. Ça sortira à chaque fois du coup tous les mercredis à 20h. Et voilà, on arrive déjà à la fin de mes projets pour 2024, à savoir que tout ce que j'ai énoncé sur cette vidéo prendra effet à partir du 8 janvier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ton petit commentaire sur celle-ci, ça te fera énormément plaisir, c'est la récompense pour le travail accordé à cette vidéo. J'en profite pour l'instant promotionnel également, dans la description juste en dessous, vous aurez tous les liens de mes réseaux, je pense à Twitch, à Discord, à TikTok, n'hésitez pas à claquer des petits follow de partout. Sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour louper vraiment aucun contenu. Et sur Twitch, n'hésitez pas à passer sur la plateforme. C'est une plateforme que je chéris beaucoup, donc n'hésitez pas à claquer le petit follow dessus, ça me fera énormément plaisir. Et sur ce, j'espère que vous me suivrez pour tous ces projets pour 2024. C'est une année qui me hype de fou et j'espère que vous répondrez présent une nouvelle fois. Merci à tous encore pour le soutien, que ce soit sur toutes les plateformes, YouTube, Twitch, vous me régalez. Donc j'espère qu'on continuera à vivre de bonnes expériences et aventures tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne année 2024, plein de bonnes choses, et surtout, portez-vous bien. À la prochaine les amis.